1987. 1988. En 1978. Et je l'ai passé cette année. 1993. En 1981. J'ai eu mon bac en 1987. Et comme toutes les filles au Figaro, avec une mention assez bien. Je suis aujourd'hui correspondant du Figaro à Berlin. J'ai eu mon bac en 1995. J'ai eu mention assez bien. Et pour la petite histoire, je n'ai eu que 10 sur 20 en allemand. Assez bien, avec une toute petite moyenne en philo. Sans mention. Et j'ai eu une mention très bien. Ma note en maths, c'était 5. Donc, ce qui laisse supposer que, par ailleurs, les notes étaient plutôt bonnes. J'en étais vraiment très, très, très heureux. Et j'ai eu une mention assez bien. Je l'ai eu sans oral, mais sans mention. Je crois que c'était la dernière année où on ne donnait aucune mention au bac pour personne, donc ça explique pourquoi je n'en ai pas eu. J'ai eu mon bac en 95 avec mention très bien. Et j'ai eu mon bac avec mention bien, et je l'ai eu en ayant 5 au TPE, donc je suis assez fier. Ce qui m'a sauvé, c'est les maths, que je n'utilise pas beaucoup aujourd'hui. Et à l'époque, ça fait beaucoup rire mes petits camarades, j'ai été obligée de trouver une cabine téléphonique pour appeler ma maman pour lui donner mes résultats. Voilà. Comme j'aimais beaucoup le lycée, je l'ai repassé. Et voilà, en fait, j'ai fait deux bacs, c'était des très beaux souvenirs. Et je crois en plus que c'est un des critères d'embauche au Figaro.